Oh, c'est drôlement joli. Donc c'est ici, dans ton appartement et dans ta salle à manger, que tu reçois tes hôtes, on peut dire. Exactement, ça voilà. Si moi, demain, j'avais envie de transformer mon appartement, comme toi, en salle à manger occasionnelle, je suppose qu'il faut quand même une licence. Tu ne peux pas recevoir des gens comme ça, du jour au lendemain, en ouvrant tes portes et en mettant une plaque en bas. Oui, effectivement. En fait, moi, j'ai la chance d'habiter dans un immeuble qui bénéficie de la double affectation. C'est ça. Commercial, exactement, et habitation, ce qui m'autorise à y travailler. Alors moi, j'aimerais bien connaître ton fameux millefeuille. Je mets un tablier? Oh, puis alors Paris jusqu'au bout des ongles. Ça me va bien, j'adore. Là, on part sur la recette vraiment traditionnelle, telle qu'il avait été créé justement à l'origine. C'est-à-dire crème pâtissière. C'est-à-dire crème pâtissière, 3 couches de pâte feuilletée, crème pâtissière. Appartement parisien oblige, c'est dans le salon de Karine que nous allons réaliser la recette. Alors Julie, est-ce que je peux me permettre de te donner... Mais oui, par le passe-plat, c'est mignon ça. Voilà, merci. La petite pâte. Ça, c'est la pâte feuilletée. Karine a pris de l'avance et déjà découpé 3 carrés de pâte de 2 mm d'épaisseur. Je vais légèrement humidifier les bords pour éviter qu'elle ne boursoufle sur les bords et pour lui éviter de brûler aussi, parce que les bords ont tendance à un peu plus cuire que le centre. Oui, c'est vrai. Donc... Voilà. C'est un bon truc ça, le coup de l'eau sur les bords. Saupoudrer généreusement de sucre semoule, puis déposer sur la pâte un papier sulfurisé ainsi qu'une plaque à pâtisserie pour éviter qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. Les 3 plaques de pâte peuvent désormais passer au four, l'une après l'autre, pendant 20 minutes à 180 degrés. Pour la crème pâtissière, Karine a déjà réservé 8 jaunes d'œufs, dans lequel j'incorpore le sucre, mais pas seulement. Voilà. Sucre, mais vanille aussi, j'ai l'impression. Alors, exactement. J'ai pris 2 gousses de vanille. Il y en a une qu'on utilisera pour aromatiser le lait que l'on va faire bouillir. Et l'autre, je l'ai utilisée pour aromatiser le sucre. Voilà. Et ensuite, on va blanchir nos œufs. Voilà. Tu veux peut-être que j'aille faire bouillir le lait? Ça va volontiers. Je vais bien. Ah, merci beaucoup. Ça y est, je suis comme chez moi. Alors, donc là, tu utilises un lait demi-écrémé ou entier? Ah non, moi j'utilise toujours du lait entier. Une fois la farine et la poudre à crème incorporées au mélange sucre-œuf-vanille, Karine me rejoint dans la cuisine. Moi, je crois que je suis pas mal là sur le lait. Hein. Bah, super. Là, il est au bord de l'ébullition. Ah bah alors. Il frémit. Allez hop, c'est parti. Je te laisse. À deux, c'est plus Merci. Facile. Ah ouais, là, c'est super. Et ta grand-mère cuisinait beaucoup alors? Alors, ma grand-mère cuisinait pour nous tous les dimanches. Je me souviens, elle faisait un fondant au chocolat qui était divin. On en raffolait avec ma petite sœur. Et je le fais toujours, je continue à le faire. Tu as perpétué les souvenirs d'enfance. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Encore ou on met tout? Ah oui, on peut tout mettre. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Chauffer le mélange à feu doux dans un premier temps. Ça a bien épaissi, là. Voilà, ça a bien épaissi. Alors, l'idée, c'est quand même de la faire bouillir au moins 3 minutes. Pour que les ingrédients fusionnent complètement. Exactement. La crème a un peu refroidi. Il ne reste plus qu'à l'enrichir avec du beurre pour plus d'onctuosité et de brillance. Mais aussi 3 cuillerées à soupe de rhum. 3, 4. Ouh, ben là, c'est des bonnes. Là, c'est des bonnes, hein. Mais c'est bien, ça a donné du goût. Un millefeuille à consommer avec modération. De toute façon, ça, voilà, ça va s'évaporer un petit peu. Ça. On va la filmer et puis ensuite on va la placer au frais. Au frais. Bah moi je vais en profiter pour écrire la recette, en tout cas les ingrédients sur mon petit carnet. D'accord. Ok. Super. Je m'installe à côté. Pour réaliser le millefeuille de Karine, il vous faut 3 plaques de pâte feuilletée de 20 sur 30 cm. Et pour la crème pâtissière, 1 litre de lait entier, 45 g de farine, 45 g de poudre à crème, 8 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, 2 gousses de vanille, une pour le sucre, l'autre pour le lait, 20 g de beurre et 3 cuillerées à soupe de rhum ou de kirsch. Pour le glaçage, vous aurez besoin de 250 g de sucre glace, 75 cl d'eau et enfin de 60 g de chocolat. Maintenant que les 3 pâtes sont cuites et la crème refroidie, il est temps de monter le millefeuille en superposant les couches de pâte et de crème.
À la façon des grands chefs pâtissiers. Ah bah quand même. Non mais c'est une recette assez complexe, hein. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, c'est compliqué et puis c'est long. Faut vraiment être patient, en fait. Et là, je suppose que je te donne. Merci la beaucoup. Couche. Voilà, on va assembler. Déjà, c'est gourmand, hein. Ça donne envie. Hein. Tu fais des petits choux finalement. Là. Voilà. Alors, eh ben maintenant, on va mettre le dernier niveau. On va mettre le dernier niveau. Et le fondant. Et le fondant, exactement. Voilà, donc là, on va verser le fondant. Alors, on y va franco, hein. On verse généreusement. On peut aussi éviter le fondant et mettre une bonne couche de sucre glace, comme on le voit faire souvent. Exactement. Et la petite décoration en chocolat, la fameuse petite déco qu'on voit sur les millefeuilles traditionnelles. Donc, je te propose de la faire et une fois terminée, je t'apporterai. Ah bah avec plaisir. Bon, c'est pas très loin. On t'attend à Beaugrenelle, au-dessus du centre commercial, la canopée végétale, ça fait rêver. Joli. Et on pourra savourer ce millefeuille et plein d'autres choses, tu vas voir, original. Avec plaisir. Merci Karine, merci de ton accueil. Julie. Alors je te laisse ton tablier quand même, il est joli mais bon. Il est à toi. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.